Parce qu'aujourd'hui, c'est réveil la conscience. C'est réveil la conscience parce qu'on a affaire avec des vampires. On a affaire avec les personnes qui veulent fastifier l'histoire des hommes ici en Guinée. Voilà. Et nous, on n'accepte pas cela. Que les vampires, les vieux serpents changent notre histoire. Voilà. Donc la famille, essayez de partager la vidéo. Maximum de partage la famille. Voilà. So, nous tous, on est témoins dans le gouvernement de feu général Lansana Conti qui s'appelait Fouledi. Hein? Qui s'appelait Fouledi dans le gouvernement de feu général Lansana Conti. Donc, si réellement, en tant qu'un vrai soussou, quand vous me voyez supporter c'est Loudel N'Diallo, notre Fouledi, il ne faut pas avoir étonné. Il ne faut pas penser loin. Jamais. Il faut comprendre l'histoire entre Sellou et les Soussous. L'histoire entre Sellou et les Soussous. Si réellement, nous les Soussous, comme on le disait tantôt, que oui, on aime le feu général Lansana Conti. Le feu général Lansana Conti, c'est notre fils, c'est notre papa, c'est notre frère, c'est notre etc. etc. Si réellement le feu général Lansana Conti était tout pour nous, les Soussous, on doit soutenir massivement Sellou Del N'Diallo. Parce qu'on a vu des preuves ici en Guinée, entre Sellou et général Lansana Conti. Le feu général Lansana Conti n'a jamais appelé Sellou Delin à son nom, Sellou. Non, jamais. Il a toujours appelé Sellou Delin Fouledi. Fouledi. Voilà. Confiance n'a pas répit. C'est quelque chose qui est ouf, quoi. C'est la complicité qui font ça entre feu général Lansana Conti et Fouledi. Oui, donc aujourd'hui, je me réveille, je vois les frustrés dans la vie, les frustrés guinéens qui disent que oui, tu es démagogue, oui, tu es... moi je suis démagogue, mais aucun membre de l'UFDG peut vous montrer un chèque ou bien un reçu. Soi-disant, oui, on a donné ça, le petit là. Il n'y en a pas. Je vous ai toujours dit ça ici. Il n'y en a pas. Si moi je soutiens Sellou Del N'Diallo et son parti là, c'est parce qu'il a beaucoup fait pour nous. Il a beaucoup fait. Mais malheureusement, les RPGistes, quand tu les demandes pourquoi vous détestez Sellou Del N'Diallo, ils disent que oui, parce que Sellou Del N'Diallo n'a pas travaillé en Guinée. Quel travail vous voulez? Quel travail vous voulez? Que oui, Sellou Del N'Diallo a volé ici. Et Sellou Del N'Diallo a lancé un défi ici. Ça fait maintenant 4 ans ou bien 5 ans. Sellou a dit, quiconque ou bien n'importe quel directeur ou bien DAF, montre ma signature, soi-disant que oui, c'est la signature de Sellou Del N'Diallo. C'est moi qui ai fait sortir cette somme pour Sellou Del N'Diallo. Qu'il va arrêter la politique le jour-là. Il va arrêter la politique le jour-là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu des preuves ici en Guinée. Mais vous voulez quoi? Au juste, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? J'ai posé la question là à centaines de personnes, à centaines de RPGistes. Pourquoi vous détestez Sellou? Pourquoi vous ne voulez pas que Sellou Del N'Diallo arrive au pouvoir? Ils me répondent tout simplement parce qu'on ne l'aime pas. Tout simplement parce qu'on ne l'aime pas. Allahu Akbar. Un être humain, un musulman peut détester son frère musulman comme ça. On dirait que c'est lui qui,
qui a donné la vie à son prochain. Pourquoi détester vos compatriotes frères juste à cause de la politique? Sortez dans les yeux de politiques ou bien des politiciens. Oui, sortez dans ça. On a vu, vous dites que celui n'a pas travaillé. Moi, je vais vous faire des révélations aujourd'hui que celui a travaillé plus que le gouvernement de Alpha Condé. Le ministre des Travaux, qui est Mustapha Naïté, pendant des années et des années, une route de qui n'arrive même pas à 500 mètres, il a fait 3 ans, tout y mouillon. 3 ans, tout y mouillon. 3 ans, Mustapha Naïté, une route qui n'a même pas 500 mètres. 3 ans, quand tu fais tout y sali, amounon. On a vu celui de l'Engalo qui portait ses casquettes d'ingénieur. Il descend dans le terrain. Lorsqu'il était ministre de travaux publics, nous tous on est témoins. On a vu en Haute-Guinée. On a vu ça en Haute-Guinée. Donc, mes compatriotes, frères et sœurs guinéens, il est temps de comprendre le jeu politique maintenant. Il est temps de comprendre les vampires, les gros bébés politiciens. Parce que tout simplement, ils veulent nous mélanger ici en Guinée. Personne ne peut dire ici en Guinée que celui n'a pas travaillé. Personne. Et soyez témoins, celui d'Alain, il a dit qu'il ne va pas s'opposer contre le feu général Lansana Conté. Parce que le feu général Lansana Conté, c'est-à-dire, Conté était son père spirituel. Oui, Conté était son père spirituel. Donc il faut essayer de comprendre. Nous, ce n'est pas à cause d'argent matériel ou bien intérêt ou bien mais c'est never. Parce que je suis un homme qui a reçu ma blatte claque, reçu ma sendanara, ouais. UFDG, fédéral, TAM, fédéral, TAM, bureau, TAM. Ouais, on a donné telle somme à le gars là. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. On a vu ici, il faisait un moment, et là c'est lui de l'Engalo qui était le parrain de PIP, Allah Akba. Le parrain de PIP, je vous dis bien, le parrain du PIP, c'était celui de l'Engalo. Mais pourquoi vous autres aussi, à son tour, vous refusez de le soutenir? Normalement, en vrai dit, dans la vérité, PIP là, si il y a la vérité ici chez nous, on doit donner PIP à qui? On doit donner PIP à qui? Il a été combien de fois parrain de PIP? Quand il a été remercié dans sa fonction, il n'a jamais accepté de s'opposer contre le feu général Lansana Conté. Okatawoya Arabi sono. Mere raba wo madaru fenu wo manipulé. Mere raba wo afalafé wo be sono. Non foule mu findi malagine mengera. Foule mu findi malagine mengera. Wo ba timfé na wa enyi mafa. Wo mba dengina garlira. Wo la mo ra wo kan conscientiser. Soit disant que un peuple ne peut pas être au pouvoir en Guinée. Il ne faut pas accepter la parole là. Il ne faut pas accepter la parole là. Nous les Soussous, en tant qu'un bon Soussous, patriote Soussous, on a donné le pouvoir à M. Alpha Condé ici. Qu'est-ce que Alpha Condé a fait pour nous ici en tant qu'un fils digne? Il a fait quoi pour nous? Rien. Seulement démolir la maison de nos parents ici en Guinée. En basse-côte. Démolir la maison de vos parents ici. Hein? Vous avez trouvé ça normal? Soutenir un président, un opposant au moins, d'être président de la République. Il vient au pouvoir,
y démolir la maison de vos parents. À vos parents, Tongoas, attendez, on a vu Dar Salam. On a vu Koya, on a vu Debreka, on a vu, comment il s'appelle, jusqu'à Bokeh. Jusqu'à Bokeh. Alpha Condé et son ministre, je ne sais pas qui, c'est Kourouma ou bien qui Kourouma. Démolir la maison de la basse-côte. Hein? Il a fait quoi pour vous, Alpha Condé, ici? Il a toujours opposé contre le parti PUP. C'est celui-là qui faisait la campagne de PUP. Donc aussi réellement, en tant qu'un soussou, Awon lama wonga me resuteni dans la vérité. Wolama wonya nga fala normalement c'est le copé ipenanya. Mais je comprends bien parce que il est peul, on peut pas lui donner le parti peu peu parce que l'ethnocentrisme a pris l'ampleur chez nous en Guinée. C'est ça. L'ethnocentrisme a conduit les Guinéens dans la haine. Sinon, normalement, on doit donner le parti PUP à Selou. Il a toujours respecté le leader du PUP. Être parrain du parti, refuser de s'opposer contre le parti. Notre Kunti Gbé, et là, c'est Runa Souma, Soboté, de ta nène. Il a fait un témoignage de Ela Selouda Lengalo. Nous tous, on est témoins de ça. Wambirina, on est témoins. Lorsque Fouladi voulait rencontrer son papa spirituel à Bantama Wawa, quand il est venu, on a dit à Fouladi que oui, le général est un peu malade, il a le mot de tête, bon, il ne sent pas bien. Le Fouladi a dit, ah bon, oui. Le Fouladi a pris sa voiture d'aller chercher des produits pour le feu général Lansana Conte à la Raya Pharma. À Sigaza Serifa, à la pharmacie. À son retour, on lui a dit non, le général n'a rien, seulement il est un peu fatigué, il voulait juste se reposer. C'est fini. Il a travaillé dans la fonction des années et des années avec une seule voiture. C'est tout récemment le feu général Lansana Conte lui a dit, ma Fouladi, ira woto masarafa. Pegi woto nei, imuno magi woto masarade. Sous place, là-bas même, le feu général Lansana Conte a pris une clé de voiture, de la voiture. Il a donné à son Fouladi. Il a dit, Fouladi nko, ira woto sabinanya, woto masara. Nous tous, on est témoins de ça. C'est maintenant qu'on voit les personnes mal intentionnées qui veulent échanger ou bien changer cette histoire-là. Sortez de l'ethnocentrisme maintenant, trop c'est trop. On doit soutenir la vérité. On doit soutenir la vérité. On doit soutenir la vérité, c'est important pour nous. Ne regarde pas la partie ethnique. Laissez la partie ethnique. Si vous regardez la partie ethnique, que vous refusez de voter pour Selouda Lengalo, demain, vous allez pleurer ici. Vous allez dire que oui, la Guinée avait un opposant qui s'appelait Selouda Lengalo. Il est comme ça, il est comme ça. Comme pour M. Koli Kondé, si le M. Koli Kondé mourait avant d'être au pouvoir, les Guinéens allaient dire que ouais, Alpha Condé Bafara, mon opposant de Sotone, arrête Alpha Condé, à nous fang, à nous na Occidane, à nous nommer les Guinéens Rafera, ma Bafara, les Guinéens tout de voter d'abe. Donc, oui, c'est pareil pour celui aussi.
pour ce Lula, ce n'est pas trop. C'est un seul mandat. Un seul mandat. Il n'arrive pas à faire le travail. On dit salam alaykoum koto. On vote pour un autre opposant. Mais pour l'instant, en tout cas en Guinée, il n'y a pas match.